Oui, donc maintenant on va passer à la partie de l'échantillonnage. Mais je n'ai rien à faire l'échantillonnage, en fait. Juste pour vous expliquer le concept de base, c'est que réellement, la statistique inférentielle, hein, des notions d'une. Donc on a peut-être mon échantillonnage là. Juste lequel je parle de l'échantillonnage. Andy concept est mon en fait là Andy population école et les populations population je vois les paramètres de la population les romains les paramètres de la population elle est décrite par deux paramètres normalement ça le paramètre lourd ou la moyenne le paramètre de thème ou les quatre types. Le moyen. Ready. Les quatre. Donc, je te il est très important pour comprendre le reste. Alors, généralement, je dis maintenant, je m'en ai l'habitude de population avec Alège, ça parfois, on a l'échantillon. Échantillon. Échantillon. L'échantillon de taille, il est caractérisé par deux caractéristiques, le haut x bar, le haut égal à 1 sur n somme xi, ou il est caractérisé par sigma carré, voilà, x bar, ou ça met hein, par exemple, je confusion, mal le quartier, puis ça met par exemple s au carré. Est égal à 1 sur n, bah, on même chez 1 sur n moins 1. 1 sur n, somme xi moins x bar au carré. Et quand je suis chez l'esprit, je te dis 1 sur n moins 1, tant qu'on le commande chez n moins 1, somme de xi. Moins x bar au carré. Mais, la population fait deux caractéristiques, la moyenne ou la variance. L'échantillon est caractérisé par sa moyenne, c'est-à-dire x bar qui s'appelle la moyenne empirique. Empirique. Ou le s. Prime au carré et en fait ça m'a la variance en pi logiquement donc on a x bar il y a 1 sur n somme de xi ou la variance x empirique ça m'a s prime au carré et 1 sur n moins 1, somme de quoi? De xi moins x bar au carré. Vraiment, les deux, en fait, caractéristiques de l'échantillon. Je n'ai la loi de l'x bar, l'échantillonnage. X bar, elle va suivre quelle loi? C'est une loi par moyen. Loi normale. Je nomme les caractéristiques en par normal. De paramètres mu, ou du quartier, sigma au carré, Normal. sur F. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a le centrage, la réduction, je trouve que tu as les rendus en fait. Tu as les rendus x bar moins mu divisé sur, en fait, racine, je trouve que tu as les sur les quatre types et les variances. Hein. Je trouve que tu as les sur sigma sur racine de n. Hein.
sigma sur racine de n, elle va suivre quoi en fait? Elle va suivre une loi normale 0, 1. Tu vois maintenant? Et les caractéristiques en fait, à condition, ils amènent la yabdandi sigma connu. Les choses de mettre sigma, en fait, il y a l'écart type de la population. L'écart type de la population. Et il est qu'un sigma taille inconnu. Nous, tu vois, sigma qui est inconnu. Donc, je t'envoie des sigma. Là, c'est sigma. Je prends sur la site le S. C'est-à-dire la variance empirique. Nous, tu vois, la loi taille, tu vois, X bar. Réellement, tu vois, la propriété asymptotique ou la démonstration. إلا الموين على شنو على S نسميناها S en fait هذيك sur racine de n elle va suivre quelle loi là كي تولي عندي ماتش في بلاصة ال 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 student صحيح كي تولي student n moins 1 صحيح degré de liberté n moins 1. Donc, N, il y a dit, le concept pour le sigma, elle est connu, ou sigma, elle est inconnu. Femme, elle va, elle vient, après l'examen, donc, bonjour, de la question. Il est qu'elle est connue, une étoile est loi normale. Ou dès qu'elle est inconnue, right? Toi, les lois de Stout, ou Stout, donc, on a l'écart type, en fait, l'écart type empirique, ou la variance, la variance de la population, la variance par l'échantillon, elle est la variance empirique. Elle est en fait, qui est un estimateur. Comment un estimateur, ça? Je vais choisir estimateur. Pour par exemple x bar est un estimateur de la moyenne. De la moyenne. Le IMU. Mais bon, logiquement, la moyenne, elle est connue ou inconnue? Bon, elle est inconnue. On a la moyenne de la population. Je ne sais pas. Je l'ai ajouté à la fonction mathématique, les x bar, il y a 1 sur n somme de xi, et il y a le paramètre inconnu. Ça me permet de trouver une valeur rapprochée de ce paramètre inconnu. L'estimateur, l'estimateur de la moyenne. Ou femme, en fait, le s au carré, il y a 1 sur n. Somme de xi moins x bar au carré. Donc, je prends l'estimateur de quoi? Sigma au carré, il y a inconnu. On a généralement dans les deux estimateurs. Un de la moyenne. Ou l'autre de la barre de variance. Avec une dernière qui a le contexte, par une loi normale. Je vais entendre les estimateurs. شنو هي الميثود اللي نستعملوها باش نطلعوا الاستيماتور؟ الميثود يوتيليزي ها؟ كيس كون يوتيليز لا؟ شنو هما الميثود يوتيليزي؟ هاي عاد خاطر عندكم كيستيون دو كور جاوبون شنو هما الميثود اللي نستعملوها باش نطلعوا الاستيماتور؟ موجودين في الاكزامارا Allô, je vais mettre les méthodes d'installation pour installer les estimateurs. On a deux méthodes. Là, comme moi, je n'ai
رحنا سألتكم عليها من الأول ديجا. هذه تسمى الميثود. دو شنو؟ دي مومون. أي صح. أي مومون الأولى والثانية هي الميثود. ميثود. دي فريسومبلونس. دو ماكسيموم. De vrai sans semblance. Avec une méthode de maximum de vrai sans semblance. Donc, il y a un concept, il y a des mots la fonction de vrai semblance pour dériver par rapport aux paramètres. Pour éviter les paramètres de la population, on peut mettre égal au moment d'ordre 1 et d'ordre 2, tout détectement là-bas. Donc, là, quand je fais maintenant avec l'application, on a deux méthodes de. Chantal a les estimateurs. Mais ça m'a donné les estimateurs ponctuels. Ou femme a les estimateurs. Ça m'a l'estimation par intervalle de confiance. Hein. Femme a deux types. Femme a l'estimation ponctuelle. Femme a l'estimation par. Intervalle de confiance. Mais regardez notre barche avec les détails asymptotiques. Ouais, généralement, qui n'a pas de mettre là où j'ai l'intervalle de confiance. De, par exemple, généralement, on dit là où j'ai l'intervalle de confiance de la moyenne. Mieux. Il atteint généralement un niveau de confiance. Là où 95. Le niveau de confiance est égal à, pour l'article alpha, niveau de risque, est égal à 5%. Ça dépend de l'exercice. L'intervalle de confiance en taille, qui est en fait une moyenne, pour x bar plus ou moins t alpha sur 2, fois quoi? Fois. Plus ou moins t alpha sur 2 fois sigma sur racine de m. Ça m'a l'intervalle de confiance de la moyenne pour un niveau de confiance 95% ou le niveau de risque. Je n'ai que mal à un borne inférieur et là qui n'a qu'un intervalle de confiance. Je vais dire borne inférieur. On a des bords supérieurs. Supérieur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit pour l'intervalle de confiance? Étant donné, je vais supposer les sigma connus. Hein? Le contexte, là, je vais supposer les sigma et les connus. طبعا نشوف وقت اللي تبدا انكونو هون نحكي عندي دو كا ديما سيجما كونو وسيجما انكونو كي تبدا سيجما كونو لو نورمال ولا ستودنت تبدا سيجما نورمال صح هيك معناها دونك هذا باش يكون الكونتيل تاع لو نورمال ولا كونتيل دو لو نورمال شنو تبدل اون فيت كي تولي عندي سيجما inconnu. L'écart type, toi, il faut dans cette S. Ou le quantile, le mta loi normale. Toi, le quantile, le mta. Pachko. Pastou. Maintenant, c'est presque l'intervalle de confiance. Intervalle de confiance de la moyenne. Donc, on est égal à quoi? Est égal à X bar plus ou moins, non? T alpha sur 2. Donc, on a un échec de هذا هو اللي نقراه في الطابل نتاع ستود ستودنت شو اللي الكونتين نتاع شنو كونتين دون لوا دو كوا دو ستودنت ديغري دي ليبرتي نتاعها قداش ديغري دو ليبرتي ايتيغال ان موان
صح هيك ولا وشوف شو اللي بعد ما عادش عندي سيجمال شو اللي عندي اس سور راسين دو ان فهمنا نفس الفورمول هذه تولي ستودنت وهذه تولي في بلاصه الكارتي تولي اس اللي يبدا عندي دوزيام كا وقلنا هذا دوزيام كا وقت اللي الكارتي نتاعي اللي انكم انكونيو هذا البرومي كا البرومي كا وقت اللي الكارتي نتاعي اللي كونيو فهمنا توا في الانترفال تحفظوهم هذوما كيما هما وقلنا بورن انفيريور بورن سوبيريور دونك شنو شو اللي الانترفال نرجع للكالولا شو اللي اكس بار موان تي الفا سور دو و سيغما سور راسين دو ان والبورن الثانية تولي اكس بار مش تولي بلوس تاب بلوس تي الفا سور دو و سيغما سور راسين دو سور راسين دو هذا الانترفال دو كونفيونس نتاعنا الثاني شو مش يولي هو بيدو دونك نفس الانترفال كنا نعوضو هذوك يقال اكس بار موان تي الفا سور دو و اس سور راسين دو ان والاكس بار موان بلوس لنا تي الفا سور دو و اس سور راسين دو راسين دو ان هذا اللي كان جو بار de l'intervalle de confiance de la moyenne. Voilà. Il est quel je cherche en fait l'intervalle de confiance de la variance. De confiance de la variance. Le acteur le mettait ou les intervalles de confiance de la moyenne. Donc là, il y a qu'un arc à la variance. Ou là, on a deux propriétés que je dois connaître. La propriété l'oula, qui est l'ada, la moyenne mu, elle est connue. Donc, l'étape de la mu connue. Je suis allé en des fonctions taille. Je suis allé en des n s au carré sur sigma au carré. Et elle va suivre 1 qui 2 de degré de liberté n. Table de la moyenne connue. Et table de la moyenne généralement inconnue. Inconnue. Je suis allé en n moins 1 s au carré. Sur sigma au carré, et elle va suivre 1 qui 2 de degré de liberté n moins 1. Voilà. Donc, à Doma, généralement, nous sommes à l'intervalle de confiance. La variance de la population. Allez, concernant un peu les intervalles de confiance. Hein. Brièvement faire les tests d'hypothèse. Bon, c'est bon. Donc là, il y a quand même qui a les tests d'hypothèse. Test d'hypothèse. Mais, chaud. Les tests d'hypothèse, ça a fait ma clé et noire. Test d'hypothèse. Femme les tests d'hypothèse. Généralement, donc, il y a lesquels je divise mal, les tests d'hypothèse comme trois types. Donc, comme un type de l'année, ça, pour qu'il y ait un test d'hypothèse, ça a deux hypothèses. Une de H0 ou l'autre H1. Généralement, par exemple, je prends les H0, par exemple, la moyenne, exemple, là, la moyenne est égale à une moyenne M0. Contre H1, je prends la moyenne, elle est différente de MZ, M0. Ça va, le premier type de test, elle est égale ou elle est différente. Le deuxième type, A0, M,
est égal à une constante M0, quand H1 est de MM taille, akbar min M0. هذا يتسمى وقلنا الاولاني شنو سميناه هذا يتسمى تيست بيلاتيرال وهذا يتسمى ماهوش بيلاتيرال يتسمى تيست يوني لا يوني لاتيرال الثروزيام تيب هذي باش تولي انفر انفريور شنو باش تولي عندي باش تولي عندي ها زيرو une moyenne, donc M égale à M0 contre H1 et le here M, je crois qu'on a inférieur et le M M0. Donc là, on a le faire bien, on a mis en gamme à madame les trois tests. Madame un test numéro 1, un test bilatéral, un unilatéral. وهذا التروزيام تيست اللي هو تيست كيف كيف يوني لا لا تيرا سي كو جو دوا كومبروندر لما خاطر هو ينجم يعطيني اكزومبل دو تيست هيك كل ها زيرو مثل ام ات ايغال ا بار اكزومبل 50 كونتر هاش A, ne colliche ou par exemple le supérieur. Ah, mais par exemple, colliche, M est égal à 55. Contre H1, M est égal à 55. Ah, mais c'est que c'est un peu de type. Et là, au type, on a un peu de type. On a un peu de type. On a un peu de type. Numéro 1. Voilà numéro 2. On va faire ça. Voilà numéro 3. هذا اللي كتبته بلون روج هو ولا دو ولا تروا دو صحيح دونك هذا اللي كيبالون تاع الدو وكي نكتب هيك معنا نكتب ها زيرو مثلا الام ايغالا 50 كونتر هاش ان الام نتاعي ايغالا 45 هذا شنو يبقى على كوا هذا الثالث ولا الاول الاول ولا الثالث اي فوالا صحيت الثالث معناها هو كيعطيني هذايا عباره كيعطيني واحد من اللوطانيين عباره اعطاني يا اما الثاني يا اما الثالث خاطر هو جينيرالمون ديما يعطي ام ايغال ا كلك شوز كونتر ام يقعد على نيوتر فالور معناها ما يعطيكش انفيريور ولا سوبيريور اما هكا جوست باش نفهموا احنا لو كونسيبت دونك هذوما ان فيت لو دو تيب دو ولا تروا تيب دو تيست وهكا عطيتك ايكيفالون تاعهم ان تيرم دو ايغال سي كون دوا كونيتر ان فيت كيبدا عندي لو بروميي تيب لان تيب نيميرو 1 اللي هو شنو تسمى تيست بيلاتيرال بيلاتيرال جنرالمون ديما يعطيني الالفا يعطيني حاجه اسمها الفا اللي هو تسمى نيفو دو ريسك نيفو دو ريسك دو تيست اللي هو ريسك دو بريمي سبيس تسمى ريسك دو بريمي اس سبيس هذا اون تيرم دو يعطيني الالفا اون فيت في الكا نتاع الاولاني الريسك نتاعي يتقسم على اثنين مو بيلاتيرال ولا يتقسم يولي عندي الفا سور دو على اليسار والفا سور دو على اليمين ويقعد في الوسط هذايا ان موان زاد الفا دونك لان هذه الفا دي سي دي ريجون دو روجي تسمى ريجون دو روجي وهذه لنا باش تعطيني ريجون داكسبتا ريجون داكسبتاسيون مي سي سافا كوبي دونك اون فا ريبوندر ريجون داكسبتاسيون كيف كيف هذه باش تكون ريجون دو ريجون دو روجي الفارق لنا سي كو باش يكون